coucou les filles, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, je vous avais dit que je vous ferais un petit vlog. Donc c'est parti, donc aujourd'hui je suis la Miss Wart. Donc vous allez me suivre tout au long de la journée dans un événement un peu spécial. Donc là j'attends les trois autres Miss, on va se faire maquiller et coiffer. Je vous montrerai le résultat après. Voilà, bisous. Bon alors je vais vous expliquer un peu donc, le contexte. Donc déjà on est 4 Miss. Donc moi je suis la Miss Wart, voilà. Donc c'est en gros c'est une course de vélo. Hein. Faut pas s'attendre non plus à un grand événement. C'est le, pour ceux qui sont ici, c'est le tour de la boxe. Donc voilà. Donc ce matin il y a la course contre la montre. Donc on va remettre les prix aux vainqueurs. Ensuite en début d'après-midi il y a avant d'ouvrir la course, il y a des vieilles voitures qui font le tour du circuit. Donc nous, on sera en décapotable. Et pour finir, ce soir, enfin après, il y aura une grande course, plusieurs courses. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on remettra les gros prix. Voilà. Donc voilà, avec les trois autres Miss, on était dans un cabriolet que vous verrez après. Qui n'était pas avec nous, donc voilà, on a fait le tour de tous les petits villages dont les coureurs, du parcours des coureurs plutôt. Donc en tout c'était 75 km, donc voilà, donc c'était sympathique, enfin j'ai beaucoup aimé, bon beaucoup de coups de soleil du coup à cause de ça, mais sinon c'était sympathique. Du coup voilà, on a pu voir des paysages, etc. Mais voilà. Donc ouais, 75 km en 2h30. Juste le temps d'arriver et de pour pouvoir voir les coureurs. Donc voilà. Ce qui était aussi super sympa, c'est que du coup, en plus d'attendre les coureurs, beaucoup de personnes attendaient les Miss. Du coup, quand on passait dans certains petits villages, j'ai pas pu filmer là où il y avait plus de monde. Mais en tout cas, on nous attendait et on nous faisait des grands coucous comme là. On va pas bien voir, mais il y avait pas mal de monde sur la petite place. Donc voilà. Ah oui, d'accord, on filme en l'air. C'était un peu compliqué de filmer et de saluer en même temps. Et voilà, il y avait pas mal de personnes sur la petite place. Et du site de Padvin, c'était coureur ouzbek qui nous rejoint. Ovation du public pour Nikita Atanov. Nikita, sur le ici de long, voilà, il va tout de suite recevoir la gerbe qui lui est destinée. Alors, on remet d'abord la gerbe. Voilà, c'est le bouquet en fait pour Nikita Abramov. Voilà, qui est-ce qui lui remet? Eh bien, c'est Sonia qui va lui remettre le bouquet. Allez-y, Sonia, la bise et les applaudissements du public. Vous restez à côté quelques instants, Sonia. Eh bien, oui, on a aussi un beau cadeau pour lui. Hein. C'est toujours Sonia qui va lui remettre. Et merci à Corinne et Corinne de Cœur de Charente, parce que maintenant, c'est ce que l'on dit, Cœur de Charente. Voilà, et puis il y a aussi, je crois, une coupe pour lui. Voilà, hein, parce que les fleurs vont disparaître. La coupe, elle restera Nikita Abramov de la Terre. Voilà, les photos, bien évidemment. Nikita va rester là quelques instants. Ça va aller? Voilà, je vais inviter. Vous avez un petit peu, j'en ai pas à te dire. Le deuxième de l'épreuve aujourd'hui, il faut dire qu'aujourd'hui c'est un doublé du cycle patin. L'an passé, sur le tour de la boîte, il était sur la plus haute marche du podium, il s'est imposé. Cette saison, il a plusieurs places d'honneur, 7e année, 8e Aluda, 20e du tour de la boîte en 2016. Et deuxième cette année, Christian Meunier, le deuxième. Et il est récompensé par Aurélie. Donc voilà, et là aussi Christian, toi aussi tu vas avoir droit au petit panier. Hein, voilà, bravo. Voilà, donc confirmation pour Aurélie Le Club, ok, meilleure équipe. Sur le podium, il y a trois marches. Celui qui sera sur la troisième marche d'aujourd'hui, à plusieurs places. Dans les cinq premiers, des places de deuxième, notamment, c'est le cas d'Arbezieux sur l'étape épide. Troisième à Montréal, il y a l'Amorillon. Il nous rejoint sur les couleurs de Bleu Club. Oh, il applaudit dans l'épide, le troisième. Il est récompensé par Anaïs. Le bouquet, donc, la part d'Anaïs. Et puis, bien sûr, les récompenses, c'est M. le maire, qui va remettre la coupe, alors qu'Anaïs, dans un second temps, va lui remettre le lot qui lui est destiné. Voilà, c'est parfait. Applaudissements du public sur ce podium, mesdames, messieurs. Alors, je vais laisser, bien sûr, les photographes œuvrés. Prends quelques photos et je vais tout de suite aller voir le vainqueur Nikita Abramov. Oui, il parle un peu le français. Un peu quand même. Ça va aller, Nikita. Donc, première victoire aujourd'hui de la saison. Ah oui, c'est la première victoire en 2017. Mais pourquoi vraiment pour ça? Et quand j'ai rentré en vélo avec mes voisins, bon, je suis très contente parce que j'ai fait
Aujourd'hui, tu lances le sprint de loin plus fort en ce moment. Ah oui, je serai tous les sprints, aujourd'hui, toujours, troisième ou deuxième. Aujourd'hui, c'est premier. Aujourd'hui, tu gagnes. Ah oui, en sprint, je pense que c'est meilleur sprinter, meilleur grimpeur. Allez, on y va aussi. Alors, de l'autre côté, pour essayer de bien équilibrer tout ça. Et de l'autre côté, si tu veux, tu viens nous retrouver. On...
est le meilleur sprinter, on est le meilleur grimpeur. Ah, ils sont tombés de l'autre côté là-bas. Il y en a un contact et un autre qui passe de l'autre côté. Voilà, parfait, je vais le glisser sur la gamme, monsieur Antoine. Sur la photo, monsieur le maire. Les ministres, bien sûr, vont prendre place, évidemment. Allez-y, vous allez vous mettre. Regardez, mademoiselle, voilà, on tient ça bien. On va mettre la gueule ici, tiens, on va mettre une ici. Voilà, on a mis de l'autre côté. Voilà, ici, une autre mise, ça va être question, c'est parfait. Voilà, et puis on va mettre la troisième mise ici. Voilà, vous allez gagner, vous allez gagner une petite place. Un Romain, à côté du premier junior. Allez, go, Spagan. Mesdames, messieurs, je vous demande de lever.